Super connard, super connard, oui, c'est moi. Bonjour. J'allume mon micro? Ah oui, j'allume mon micro. Très bien. Hop. On va aller tester Outward. Il paraît que la version marche pas de ouf, mais bon. Bon, on a dit c'était du caca. Je vais aller tester. Est-ce que j'ai du son par contre? Attendez. Oui, c'est ça, le micro était éteint. Enfin, pas le micro, le casque était éteint. On va aller faire ça. J'ai testé Risk of Rain en début d'après, mais là, c'est pas mal, hein. Après, visuellement, c'est chaud quand même. Ça fait vraiment chipos du cul de chipos du cul, quoi. Même au niveau de la maniabilité, il y a Mass Stuttering et tout, mais. Mais le concept est sympa. Il n'y a pas de son. C'est normal? Ah, si. Alors, qu'est-ce qu'on a, français? Ouais, c'est mieux. Ouais, calme-toi. Comment ça? Mais prends-le! Commence pas à m'énerver, hein! D'accord. Ah, le jeu il dit non au switch de. Okay. On n'a pas de Borderless, je crois. Ah, Borderless. Wouah! Attends, il me le met sur les deux écrans, ce con. Au secours! Mais comment je suis censé faire là? C'est impossible. Mais il est con. Non mais il m'ouvre ça sur les deux écrans, mais j'ai pas le bas de. J'ai plus accès aux options. Ah! Non mais là c'est mort! Oh, les jeux développés avec le cul, je prévu pour jouer sur Minitel là. Ah ouais, non, mais là je vois rien là. Oh, on fait comment? Est-ce que je peux accéder au fichier config du jeu? C'est vraiment n'importe quoi ça. 2019, vous avez pas encore compris que. Sur PC, on jouait. Ah. Pas en monoscreen d'autiste là. Outward. Options settings. Qu'est-ce qu'on pourrait changer là-dedans? Peut-être ça. Putain, si c'est ça, je suis un génie. Si c'est ça, je suis un génie. Oh! C'est le nouveau monoscreen. Je suis un putain de génie. Borderless, donc on évite, hein. Ah mais là c'est fenêtré, ah ouais non. On va rester comme ça. Hein. Tutoriel. Please, pas un tuto de Mongol, please. Oh putain.
Mais c'est un tuto où il n'y a rien en fait. Ah. Oh là, c'est sensible, mon gars. Tu me dis rien en fait. Ah oui, pardon. Appuyez sur tap pour verrouiller la caméra sur l'ennemi. Vous pouvez maintenant appuyer sur tap de nouveau pour déverrouiller l'ennemi. Chauffe. Combat intense. Attendez. Baisser un peu la zik. Non mais en fait attends, le mieux c'est de faire comme ça, comme ça. Spécial à avoir déjà clic molette, on a un souci. Comment ça se fait que j'ai pas mon... framerate là. Il a pas détecté On va la refaire en moins crispé. Il est pas lancé lui ou quoi? Qu'est-ce qu'il fout lui? Est-ce qu'il l'a? Ouais il l'a, bah alors. Ah, ça marche pas. Pourquoi j'ai pas mon framerate là? Bizarre. Bon, après, de toute façon, sur ce jeu, ça n'a pas posé soucis, mais bon. Pardon, mon sac. Thank you.
C'est quoi B? Ouais, c'est Sekiro, mais en mieux, quoi. Le bâtard. Ouais, c'est Sekiro en mieux. Oh, putain, qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est Sekiro, mais en mieux, quoi. D'accord. D'accord. Oui, bon, ça, j'ai pas besoin de faire, on s'en fout. Mais je les ai déjà de toute façon. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu me prends? Qu'est-ce que tu me dis? Bon, attends, c'est quoi de toute façon? Coup en endurance. 40 secondes de cooldown. Arme de mêlée, bonus de rage. Attaque bondissante qui affiche un impact et dégâts abondants car le bonus de rage. Folie furieuse. 500 secondes de cooldown. Bonus de rage. Baisse un peu votre vie max jusqu'à ce que vous dormiez. Ce soir, pas allumer les feux de camp. Ok. Alors l'arc. Ça fait mal, mais ça pompe le mana de ouf. Hein. Simple mais joli. Furieuse, ça n'est pas. Mais attends, mais il a ce 500 secondes de cooldown, le truc, ça veut dire que tu l'utilises jamais en fait ton machin après là. C'est quoi? C'est ça. Hein. D'accord. La plèbe voire tropico, eh ben c'est en vente sur toutes les bonnes plateformes sur PC, faites-vous plaisir. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la plèbe? Putain, je suis pas en démocratie moi. Prendre flèche. Ben alors? Ah, ok. Epic fight, c'est le tuto! Commence pas à m'énerver, hein, j'étais parfaitement calme. Ah, bouclier.
de ça. Non mais je vais pas prendre. Non, bon, prenons. Sur PC j'achète pas, désolé. Oh là là, le manque de respect pour la Master Race. Mais c'est quoi en fait, tu veux que je lâche mon sac à dos, c'est ça? Ouais, les sacs à dos c'est surfait. Bon, jusque là, ok. Je peux le faire. Le tuto peut se finir. Les effets négatifs. Nat te fait dire qu'elle est partie plus car ses données mobiles étaient épuisées là. Ouais, mais j'ai eu le temps de voir son message, hein. Pas de soucis. Pas de soucis, c'est gentil de dire au cas où. Mais ouais, non, c'est. J'ai eu son message, elle a dit ouais, je dois te laisser, j'ai épuisé mon machin, mes données mobiles. Attends, je remets mon micro là. Mais ouais, pas de soucis, pas de soucis. On a testé Risk of Rain en début d'après-midi, là, avant manger, là, c'est pas mal, hein. C'est un petit peu quand même proche du foutage de gueule en termes de réal, mais le concept, j'aime bien le concept. Enlever les effets négatifs, les effets en bas à gauche de l'écran. Ah oui, d'accord, la tête de mort là. D'accord. Et comment je sais... Ah non, c'est ma rage. Ah, ça reste... Ok, d'accord. Antidote. Ok. Bandage. Ok. C'est quoi, c'est que je suis full là? Je peux y aller là-dedans? Ouais. Bon, apparemment, ce jeu, tu te fais ouvrir en deux. Tout ce que j'adore, quoi. Par un vieux mob sur lequel tu tombes, pouf, tout shot. On va voir. Je connaissais pas. Pourquoi tu l'as vu? Mais j'ai vu vite fait car j'ai tweet sur téléphone et comme j'utilise Napitel pour me tenir un jour sur mes séries, bah j'ai cliqué vite fait. Ah, d'accord. Non, le concept est sympa. C'est déjà, il y avait déjà un côté assez addictif dans le... à vouloir y aller. Après, bon... Après c'est une early, mais même quand il sortira d'early, je pense pas que c'est un jeu qui va beaucoup s'étoffer visuellement et techniquement, parce que c'est un peu à... C'est déjà à limite du HD++ par rapport à leur premier jeu, mais j'aime beaucoup le concept. Je comprends ce que les gens... je comprends un peu si c'était ça un peu les bases du 1, je comprends un peu le... En gros c'est un Isaac, mais... Bon, forcément plus cheap qu'Isaac parce que personne n'arrive à les chevilles d'Isaac en termes de diversité et tout ça, mais bon. Ah oui, alors par contre, si le côté survie est trop prononcé, ça va être non pour moi, hein, parce que passer ma vie à me nourrir, à me protéger du froid, à me machin, là, type Subnautica, ça me casse vite les couilles. J'aime pas être dans cette... J'aime bien les jeux de construction type survie machin, mais pas quand le côté survie est trop prononcé en fait. Pas quand t'as une pression constante sur le fait d'avoir la bouffe qu'il faut pour te nourrir d'ici 20 minutes, la flotte, le machin. Enfin, quand c'est trop quoi. Quand c'est un peu, ça me dérange pas, mais quand c'est trop, type Subnautica, on devait tout le temps bouffer, tout le temps machin. Pourtant, l'univers de Subnautica et tout était cool, mais. Perdre connaissance. Les animaux et les plantes fournissent de la nourriture, tandis que les sources d'eau peuvent assouvir votre soif. Il vous faudra notamment une gourde pour transporter l'eau. Ok, d'accord, bon, tout jusque-là, c'est du classique, mais je préfère le faire parce que bon, il est réputé comme étant quand même un bon gros jeu de bâtard en termes de difficulté, donc je préfère pas y aller. Enfin, j'y vais la fleur au fusil, mais bon, un minimum, quoi. Maladie. Cuisez votre viande et faites bouillir votre eau pour ne pas devenir malade. Récupérer du maladie prend beaucoup de temps, mais les thés médicinaux aident. Okay. Tu ferais pas un bon survivaliste, toi? Ouais.
Non, mais faut pas que la mécanique soit trop. Enfin, qu'elle soit redondante, oui, forcément. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Faut pas que ce soit toutes les 15, 10-15 minutes à devoir bouffer, machin, parce qu'en fait, moi. Les jeux de survie, quand ils sont mal. Enfin, quand ils sont dosés de cette façon-là, pour moi, ils sont. En fait, ils m'empêchent de prendre mon temps et de profiter de l'univers, etc., etc. Et ça, j'aime pas, en fait, quoi. Genre Subnautica, tu vois, j'avais envie, franchement, de m'enfoncer, de me promener dans les fonds marins, d'explorer et tout ça, mais tu dois constamment faire des allers-retours pour ou des machins, etc., pour partir avec la flotte, le machin, enfin pour survivre simplement, quoi. Et du coup, le côté survie, c'était plus de 2/3 de l'expérience de jeu par rapport au côté exploration, en fait. Et moi, il faut quand même que ce soit l'exploration, etc., et qui prédomine, quoi. Si tu passes ton temps à bouffer, je veux dire, joue aux Sims, ça m'intéressera plus, quoi. J'aime bien les Sims, mais. Moi, je vais à fond dans ce côté boulot, métro, dodo, quoi. Pour cuisiner hors des villes, vous devez fabriquer des kits de feu de camp. Il nécessite normalement 3 bois d'un arbre pour les fabriquer, pour les en un tout fait sur la table. Quoi? Pas cuisiner dans le tuto, hein, tu te fous pas de ma gueule. Cuisiner avec un seul ingrédient requiert seulement un feu de camp allumé. Les recettes avec de multiples ingrédients requièrent une cuisine ou un chaudron sur un feu de camp. Utilisez un chaudron dans votre inventaire, puis placez-le sur le feu de camp. D'accord, ouais, non, mais ça, je verrai dans la pratique du truc, parce que là, le tuto. Ouais. D'accord. Je vais pas tout faire, hein, pour l'instant, on est sur des choses plutôt classiques, je pense que j'arriverai à m'en sortir. Je comprends, moi c'est un peu la même. Ouais, bah oui, on en avait parlé un peu à l'époque, je sais, de Subnautica, quoi. C'est dommage parce que Subnautica, franchement, l'univers était vraiment génial. En plus, moi qui avais un peu les phobies des fonds. Enfin, les phobies, qui aime pas les côtés. Qui est un peu claustro sous l'eau, des trucs comme ça, j'avais réussi à vraiment l'apprécier. Mais ce côté aller-retour, machin, ah, putain, il me faut tel poisson pour bouffer, il me faut tel machin. Quand tu le fais, quand tu dois le faire une fois sur ton heure de jeu, ou je sais pas. Ok. Mais quand c'est. Ouais, c'est chiant, quoi. C'est une énorme contrainte. Continuez vers le bas pour en apprendre sa gestion. Là, a priori, c'est plutôt soft à ce niveau-là. Enfin, parce que j'en ai lu après. Hein. Continuez vers le bas pour en apprendre sur la gestion de température dans des climats extrêmes. Ah bon? On va au Popole Nord? Par contre, j'ai pas mon compteur FPS. Bon, je pense pas qu'il y ait de soucis sur ce jeu, mais ça me perturbe du coup. Dans les climats chauds, buvez de l'eau et portez. En fait, je vais juste lire les pierres, hein, je pense. Hein. La DA me parle en tout cas. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est très con. Il est assez chipos, hein, techniquement, hein, de ce que j'en ai vu. Moi, il est pas. Voilà. Mais je sais pas, j'aime bien. Enfin, je sais pas. Il m'invite à prendre mon temps, en fait. La DA et la Real m'invitent à prendre mon temps. Donc, voilà, j'ai envie de le tester. Dans les climats chauds, buvez de l'eau et portez des vêtements spécialement faits pour protéger du soleil. À noter que les armures lourdes protègent rarement de la chaleur. D'accord. Merci Captain Obvious, mais c'est toujours bien de le préciser. C'est le genre de jeu des années 2000, hein. C'est celui où tu meurs, tu mets 20 minutes pour revenir chercher ton. Pour revenir à là où t'en étais, quoi. Faut aimer prendre son temps, c'est type EverQuest FF11 dans le. dans le déplacement, je crois qu'il n'y a pas de fast travel, il n'y a pas de tout ça, quoi. Mais ça me dérange pas, moi, parce que j'ai connu, ça me choque pas. Mais après, faut voir comment. Moi, les jeux un peu comme ça. Mais après, c'est plus un RPG survie qu'un jeu de survie, mais. D'accord, bon, du classique, très bien. Ça me va. Mais ce genre de jeu, ouais, moi, j'aime bien les mécaniques en général, mais ils font partie de ces jeux, de ces genres de jeux où la balance du tout est primordiale pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. T'auras beau avoir l'univers qui me plaît, le machin qui me plaît et tout, s'il y a telle ou telle composante de game design qui
qui est trop présente, un petit peu trop poussée, un petit peu trop là, un petit peu trop présente là, un petit peu moins pas assez présente, etc. Je peux vite décrocher. Parce que c'est quand même un melting pot de plein de choses. Donc, d'autres objets permettent de gérer autant de temps comme des potions, des tentes ou des repas. Vous pouvez également vous réfugier sous terre où la température est plus souvent modérée. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Sympa, ça. Sur le papier. La gestion de votre inventaire. Tout prendre, thé. Donc j'ai un sac à dos. Faut tester. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Les lanternes de votre sac et non dans vos poches seront suspendues au sac, libérant votre main gauche pour un bouclier ou une arme à deux mains. Allumez et éteignez les lanternes avec V. Système de poids dans l'inventaire, a priori. Parce que je vois que tout ce que je ramasse, c'est... Ah, d'accord, comme ça. Oui, parce que j'ai déjà un shield en main. D'accord. La clé mort du loup. Les sacs augmentent votre capacité d'inventaire, mais ralentissent souvent votre esquive. Ah. Tu poses ton sac pour aller te battre, quoi, en fait. Tout ça sur le papier, tu dis c'est plutôt c'est sympa. Après, dans la pratique, faut voir si voilà, ça devient pas relou quoi. C'est ça quoi, faut que ça participe à l'immersion et au truc quoi. Parce que bon, le réalisme a ses limites comme d'hab. Ah merde, pardon, excusez-moi. Ah, mais parce que. Ah ouais, d'accord. Ah, les fights vont être tout pourris de toute façon, je pense. Hein. Ouais, mais non, vas-y, moi, je... non, c'est bon. Alors, comment on lance? Ivre, il lance le jeu à le Sekiro 2 sans lire le tuto. Et là, c'est le drame. Jim, ouais, magnifique. Race. Bon, il y a que des humains. Allez, je vais faire un asiatique parce que des fois que le jeu soit bien, on pourra dire que c'est un meilleur jeu que Sekiro. Visage. Voilà. Le Karak Boulder est vraiment... ouais, bah 2000, 2001, quoi. Hein. Non, pas de cheveux, c'est bien. Non, mais enlève les cheveux. Oula, 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 calme-toi. Oula, oula, calme-toi, calme-toi. Non, pas de cheveux, c'est très bien. Couleur. Héritage. C'est quoi, héritage? Ah, il y a peut-être un truc qui se reporte de partie en partie. Oh, attends, il y a un truc qui est popé, là. À mon avis, c'est pas impossible que ce soit un truc qui se partage... Vous pouvez allumer un feu de camp. Un afro-asiatique, c'était cool. Ouais, mais non. Non, non, on va partir dans le mode pour voir si c'est mieux que Sekiro. J'ai passé ma vie dans la sûreté de chers à l'abri de la brutalité extérieure, mais la vie à Warai n'est pas jamais si facile pour toute. Pour toute la sécurité que ma tribu procure. Ces lois sont très strictes, ce ne sont pas les individus qui sont jugés, mais les lignées. Les échecs de ma lignée pèsent sur moi. Bon, je vais pas lire à haute voix, hein. Pas que ça foute. Hein. Vous démerdez, vous savez lire, vous êtes allé à l'école. Attends, je relis deux fois là, parce que là je suis pas habitué. Là. Il me parle pas normalement, le monsieur. Là, on est dans Skyrim, au secours. Non mais il faut lire, c'est ça qui est chaud quoi. Je suis habitué à regarder les cutscenes. C'est ça que j'aime. Les échecs de ma lignée pèsent sur moi, ma grand-mère autrefois ruinée la tribu, ce qui a valu ma famille de recevoir un prix du sang. Depuis nous continuons de payer le prix de ses actions. D'accord, la grand-mère était une biatch, très bien. Il y a des bateaux. J'ai rejoint mon vieil ami Izan. On a fait naufrage.
sur le retour. Ok. En gros, ça raconte de la merde. Laissez-moi aller cueillir des algues et des champignons. Je n'ai maintenant plus le choix, je dois me relever et faire face aux étendues sauvages au-delà des murs. Je dois bâtir mon propre avenir ou mourir en essayant. Vous pouvez vous déplacer discrètement en vous accroupissant. J'ai pas le temps de lire. Ok, on part comme un clochard. C'est joli. Bon, attends. Déjà, un truc qu'on va ouvrir souvent, je pense. J'ai envie de le binder à portée. Hein, je les vois venir à des kilomètres. Inventaire. Voilà. Comment ça se libère, on est bien. D'accord, je viens de binder l'inventaire, il marche pas. Ouh, toi, attention, ma corbeille t'attend. Hein. Commence pas à m'énerver. Menu inventaire, c'est bindé. Alors, pourquoi t'es désagréable? D'accord, ça marche pas quoi. Ah, j'ai peut-être pas d'inventaire à ce niveau-là. Ah, peut-être que c'est... ouais. Putain, il y a des ombres. Waouh! Le ban qui marche pas, c'est saut 2000, mais clairement. Ah. Bon, on est à poil, on a une torche. C'est bon. On est en 2000, là, il n'y a pas de souci. Oh putain, il y a des coquillages géants là-haut. Ça y est, on commence à faire à récolter des baies. Costume en lock. Ouh putain, ça y est. Bon voilà, on est refait, PGM. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre toutes les torches, hein, mais bon. Torche est dans l'inventaire. Bah je pense que normalement on est censé avoir un inventaire. Mais ça marche, alors pourquoi mon bind marche pas? Oh putain, ça y est, il va me fatiguer. D'accord, bon. Oui, c'est bien un jeu de mille, hein. Les boutons de la souris sont pas bindables, hein. Bah, c'est génial. Moi, mais I, c'est super loin. Bon, pour l'instant, on va pas te brusquer parce que je te sens en jeu année 2000. Ne brusquons pas la personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Ingrédients. Non, inventaire. Ok. Inventaire, équipement actuel, les trucs, de la thune, de l'argent. Gabé. La barre de vie. Donc sans doute de la nourriture qui se périme, j'imagine. Bécorante, restaure de l'endurance au fil du temps. Ah d'accord, là c'est juste simplement classé consommable, ingrédient, déployable. Tout, tenu, d'accord. Ensuite, oula, il se passe quoi là derrière? C'est l'ombre qui est magnifique. Gabé, c'est les jeans? Non, 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 c'est de la... C'est ça, là, c'est la bouffe que j'ai récoltée, la baie. Les gils, c'est argent. Argent! 100 pièces ont un point combiné de 1. Ensuite, équipement. Carquois de 30 flèches. Là, on a looté ça, donc dessus, il y a quoi? De résistance. Bon, on verra le jour. Pour l'instant, alors. Hein. Vie, endurance, mana, nourriture, ça c'est les besoins donc, sommeil, on les voit pas d'une autre façon. Bon, à un moment ça va popper je pense. Nourriture sont disposants, boisson, sommeil, température. C'est quoi ça? Pourquoi je peux bouger ça? Les effets négatifs positifs, les trucs de craft sans doute. Les skills. Coup de pied, attaque faible, parfaite pour repousser les ennemis. Nécessite dague. Lancer de lanterne. Mais la lanterne est sacrifiée. Ok. J'ai soif.
Tiens, ça y est, c'est parti, on va décéder. On va décéder sur la plage. Il y a des jeux d'or. Ouais, clairement, les ombres sont au taquet. Tir et recharge nécessite pistolet, balle. D'accord, ok. Et ça, c'est quoi? Peut-être les quêtes. Ouais, quêtes. Ok. Bon, jusque-là, on est bien. J'ai soif. Ben oui, mais j'ai pas d'eau. Est-ce que je peux aller boire? Ah, boire ou salé? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée quand même. On va peut-être attendre. Algues. J'ai pas vraiment besoin de la torche. Hein. Il fait jour, comment on déséquipe? D'accord. Algues qui produit un thé qui soigne les indigestions lorsqu'il est infusé dans un chaudron. J'en ai besoin hier, elle. Bon, la végétation est pas dégueu, ça passe, c'est plutôt. C'est très simple, mais ça va. Bon, je vais arrêter de ramasser les torches. C'est quoi ça? L'eau salée, je vais éviter. Gabé. Prendre bandage. Utiliser sac de couchage. Parler à Izan. Oui, c'est mon pote, donc lui. Prendre le pain. Il n'y a pas une gourde ou... Enfin, non, il faudrait de l'eau douce, quoi. Bon, parlons à... Bonjour. Non, ça va, j'ai pas froid. Bonjour! Oh, nous ne sommes pas loin de la maison. Vous voyez le phare d'ici, non? C'est un casite, né sur un bateau. N'hésitez pas à dormir dans l'un des sacs de couchage supplémentaires. Le phare. Je le vois pas du tout ton phare. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Ah. J'ai soif. Tas de déchets. Silex c'est fer, il peut... Ça va allumer les feux de camp, il peut cependant avoir d'autres utilités. Des branches. Du tissu. Pour les bandages. L'argent. Bon, pour l'instant, je prends tout, hein. Il n'y a rien d'autre. Je veux de l'eau. De l'eau, du vin, du boursin. C'est un truc, ça? Non, c'est un squelette. Les algues. Il y a une étoile de mer géante là sur la colline ou c'est moi qui tripe? Bon, la taille du. Ah oui, bah j'ai faim, j'ai soif. Bah voilà, ça y est, ça commence. Oh, ça va m'énerver ça. Après, c'est calme. Ça, c'est ce que je cherchais un peu. Ouais, je sais que je pourrais récolter de l'eau salée, mais c'est ce que j'ai depuis le début. L'eau salée, quand t'as soif, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, non? Parce que c'est, ça se doit pas servir à la... Au pire, j'irai le faire, mais... Je pense pas que ce soit la meilleure des idées, l'eau salée, quand t'as soif... Sinon, à Coco, ils auraient pas leur puits d'eau douce, là. Non mais si tu le fais bouillir ou je... Si tu l'as fait bouillir ou je sais pas. Ah ouais, tu crois que ça enlève le sel? Non, je pense pas que ça enlève le sel. Mais on est en... De toute façon, il y a quelque chose à faire avec, c'est sûr, mais... Attends, je regarde un peu. Là, à mon avis, il veut juste que je dors dans un premier temps. Je regarde un peu ce qui nous entoure. Je sais pas, il y a des rendus comme ça, c'est mignon. Hein. C'est tout simple, mais j'aime bien.
Machette. Ah! Là, on discute. Oui, ça fera du sel, voilà, mais ça va pas de l'eau douce, quoi. Eh! Eau fraîche. Ah, elle est pas salée, celle-là. Et donc, je suis rassasié, là, ou pas? Mon icône, il fait quoi? C'est quoi l'état déjà? Ok. Donc ça c'est quoi ça? Effet d'eau. Régénère 0,3 d'endurance par seconde plus 10 de protection contre le temps chaud. Besoin fin. La vie max baisse 3 fois plus vite. Ah ouais. J'ai rien à bouffer? Hein? Les baies là. J'ai des baies et j'ai du pain. Je peux rien crafter ici? Non. Il faut un atelier ou un truc. Ah là. Massue primitive, torche improvisée, bandage, bouclier de bois, ration de voyage. Il faut du pain, du sel. Recette manuelle. Un truc. Je peux pas récolter l'eau fraîche, dans quoi je la mets? Eh ouais. J'ai besoin d'une gourde. J'ai besoin d'une gourde et il n'y a pas de femme là, c'est dommage. Pioche minère. Oh là là, ça y est, ça fait même pas une demi-heure qui stream déjà des propos sexistes. Bientôt les enfants. Il y a un truc de l'autre côté, mais. Il y a fait que le pain, ça fait grossir. On va retourner essayer d'extra... Oh. Adieu! Oh! Je vais rien enlever. J'essaie de parer. Hein. Oh, c'est clairement mieux que Sekiro déjà. Là, on est dans le gothi. Attention. Aïe. Je défonce. Ouais, j'ai eu mal quand même. Pillé yen. De la viande crue. Je pense qu'il est temps de rentrer à ma maison. Tronc évincé. Putain, j'ai des sandales. Oh là là, ça y est. Oh putain, je suis refait. Poche surchargée. Déjà ? On a le droit à combien ? Ah oui, on a le droit qu'à 10 kilos. Ah oui, non mais voilà aussi là. Bon oui, mais non mais c'est... Oh, il y a une hyène là-haut. Ah ouais, mais non, mais je vais décéder là. Mais elle était pas celle-là. Attends, comment on s'accroupit ? Ah oui. La de la hyène était au top, mais clairement. Non, non, mais il va y avoir des upgrades de sac à dos, je pense. On va voir. Ça, la gestion du poids, c'est normal qu'elle y soit, je trouve. Après, faut pas qu'elle soit trop casse-couille non plus. Quoi. Parce que sinon, tu prends tout ce que tu croises, après, ça n'a plus aucun sens. Quoi. Là, au moins, tu dis, ok, tu gardes un œil, quoi. Genre, là, cette compo, je risque d'en avoir besoin, ok, je la ramasse, celle-là, non. Voilà. Mais j'ai pas de chaudron, j'ai rien. Ah, si, utiliser feu de camp. Comment ça marche? Recette manuelle sert pour les recettes à un ingrédient unique, comme la viande grillée ou pour transformer l'eau de rivière en eau fraîche par ébullition. Déployer un chaudron sur le feu de camp pour cuisiner des plats avec plusieurs ingrédients. D'accord, bon, ça le chaudron pour l'instant on peut pas. Donc là, genre la viande quoi.
Oui, parce que de toute façon, j'ai pas de quoi récolter l'eau salée pour l'instant. Donc là, je peux faire que la viande qui fait de la viande cuite. Nourriture 150, 150. Et ça supprime les risques de maladie. Bon, jusque là, ok. Ok. Ensuite, c'est quoi cette icône là que j'ai en bas à gauche là? Je peux pas y accéder. C'est que j'ai appris une recette. Alors, la bouffe, c'est où? Ouais, mais ça c'est quoi? C'est quoi les silicones de quoi ça là? Consommer de l'eau de rivière en eau fraîche par ébullition. Ça, à mon avis, c'est plus que ça enlève les risques de maladie, peut-être. Hein? Non, parce que là, ma bouffe, elle rend 150, mais j'en suis où de. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser la viande maintenant plutôt que des baies là? Bon, vas-y, fais pas chier. D'accord. Ça régénère de la vie, du coup. Le plus, c'est la régénération de vie. Bourse surchargée. Très bien. Bon, c'est le bordel. Est-ce que je peux tester des choses là? Bourse surchargée, ben c'est pas. Non, mais il y a des maisons closes, hein, c'est bon. Je pense qu'il y aura des maisons closes dans le jeu. On est en 2019, quand même, le moindre des choses, c'est de mettre des maisons closes dans un jeu de survie. Ou alors de rendre n'importe quelle passante pénétrable sans son avis. Sans demander son avis, bien sûr. Enfin, quelque chose, quoi. Enfin, pour décharger les bourses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Os de prédateur, non. Mais le truc des recettes qu'on avait tout à l'heure, là, le ah oui, mais non, je peux pas récolter l'eau salée. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, d'abord, faisons dodo, là, puisque c'est un peu ce que le monsieur il me dit depuis le début, puis après on verra. Par contre, on y va comment? Là? Non. D'accord. Bon, alors déjà, attends, faut trouver la hitbox. Ah, les jeux de 2000, ça a son charme, hein. Holy shit, what the... C'est où l'interaction? Ok. Ah, là. Non, là. Ok. Ah, je rampe comme si je passais sous le sac de couchage. Très bien. Sommeil. Oh putain. Ah ouais? Les objets, je répare tout seul pendant que je dors. Putain, c'est génial. Quelle vie! J'ai chaud! Ah, parce que je suis près du feu aussi, non? Tu veux pas éteindre ton feu là? Attends, 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 moi je suis pas là pour souffrir. Hein. Éteindre. Oh bah oui, non mais tu m'excuses, mais j'ai pas que ça à foutre, toi. Moi je veux dormir tranquille. Allez. Oh putain, attention, recherchage de hitbox. Oh putain, ça va être drôle. Je sais pas combien de temps, mais ça va être drôle. Alors. D'accord. Ça, c'est quoi? Ah, on peut se faire embuscadationner la tête pendant qu'on dort. C'est génial. Donc, on monte quoi si on fait ça? En fait, là, c'est qu'ici, je pense qu'il y a que zéro risque de se faire d'avoir une embuscade parce qu'il y a lui. Donc, c'est pas besoin. Et sommeil, c'est quoi? Dormir soigne la fatigue, la vie max et l'endurance max, mais réduit votre mana max. Je vais dormir, mais sans avoir faim, quoi. Attends, en vrai, est-ce que c'est vraiment une quête de dormir? Parce que sinon, je vais pas me faire chier, là. Ça va, quoi. Je suis pas fatigué, là. Alors, c'est quoi les trucs de quête? C'était ça, je crois. Reposez-vous dans l'un des sacs de couchage du camp. Bon. Ça va pas faire le feu. Non, mais je savais que c'était chipos comme ça, hein. Donc, après. Pour l'instant, je suis pas. Ça va. Je dors 4 heures. Je travaille pas à ce point, moi. Oui, c'est la prise en main.
Non, non, mais après, faut voir ce qu'il propose. Par David connaissance, c'est avec quelqu'un. Comment ça, je perds connaissance? Mais je me suis juste couché dans mon sac d'accouchage. On est au phare. On m'a transporté pendant mon sommeil. C'est génial. Oh putain. Oh mais et franchement, je suis prêt pour le Victoria secret masculin. Il y avait des loot partout. Bottes d'ouvrier. Bim. Mais je suis surchargé, j'ai encore rien pris, mec. Calmez-vous. Ok. Ouh là là, attention à la musique. C'est où le stuff déjà, putain? Ah, c'est là. Non, mais genre là, on va en bazarder de ça. Ça pèse combien, ça? On va en garder une. 20 secondaires. J'ai pas de shield. Ok. Par quoi? Pioche minière. La pioche minière fait plus de dégâts que la machette. Ouais, mais ça, c'est des trucs de récolteur en fait. C'est pas vraiment des bonnes Everize armes. Impact 12. Vitesse d'attaque 1. Impact 25. Je vais pas abîmer la poche, la pioche, la poche. Ok. Ah, là déjà on a. Comparer. Oh là là, il y a le compère. Attention, déjà là on est mieux que dans certains jeux de 2019, hein, qui ont pas ça. Hein. Attention, feature GOTY ça. En fait, c'est surtout pour le froid le truc, mais bon, globalement, il y a plus de. On va faire ça quoi. Pas de sac à dos. Protection temps chaud, résistance 2. Et elles sont équipées là ou pas? Pas du tout. D'accord. Parce que ça pèse 3 tonnes ces trucs là. Faites-moi du tri là. Qu'est-ce qu'on bazarde là? Je peux pas en faire quelque chose de ça? Non mais c'est l'équipement actuel putain. Et ça? Qu'est-ce qui pèse si lourd? Ouais mais en même temps 10... Ah ouais d'accord. Ah oui mais rien que la pioche elle fait 5 kilos. Ah ouais. Ah, je vais avancer comme un vieux sac. Bazarde le jeu. Calmez-vous, calmez-vous. Sacoche primitive. Alors, on a peut-être plus de place, là. Pas du tout. Capacité 25. Elles sont où, mes capacités à 25, là? Capacité de quoi? Me fait tout prendre, je sais pas quoi. Capacité de 25. Ouais, d'accord, mais. 25 quoi? 25 items? 25 kilos? Parce que là, ça reste du 10. Hein. Bon, on va bazarder des trucs. Hein. Ça pèse combien ça? 3. Je suis un fou, moi. 10-2. Allez, il faut... De 25. Oui, non, mais 25... 25 de quoi? Tu te calmes. Oh, putain, mais d'être ultra limité dès le début, là, c'est violent, quand même. Ah, c'est... Bon, au moins, là, on se déplace correct, même si on a le malus. Oh, oh, attention. Ah, on dépose des trucs. Je pense. Ah, mais c'est chez moi, en fait, ici, peut-être. Non. Monnaie universelle de ces terres, à noter que 100 pièces. Oui, d'accord. Bon, l'argent, je prends. Ah, pas du tout, c'est moi qui laisse. Ah, bah voilà!
D'accord. C'est quoi ça? Du sel. Chaussures simples. Bon alors attends. C'est pour l'instant hein, un bon clochard que nous sommes. Mais transfère-toi, arrête de me faire chier. Mais tu me casses les couilles. Mais. Ah bah d'accord. La pioche, est-ce que j'en garde la pioche? J'en sais rien. Est-ce qu'on... Ah non, tu vois, en fait, ouais. Bah non, alors ma sacoche premier type, elle pouvait avoir 25 kilos. Yop ta sœur, c'est quoi ce jeu? C'est marqué dans le titre du stream, là. Putain, prenez à lire, c'est pas peur d'elle, ça. Vous regardez sur Minitel ou quoi? Ouais, c'est Outward, c'est celui qui vient de sortir. Pourquoi il y a bien un truc 10-25, là? What the fuck is this? Là, regarde. J'avais pas scroll jusqu'en bas. En fait, il y a poche et il y a sacoche. Et en fait... Je pense qu'on peut transférer. Voilà, placer dans le sac. Ah putain, je suis un génie. Moi, je prends tout. Peut-être pas la thune, parce que je sais pas, je sens l'entourloupe. Pour l'instant, je prends tout, parce que je sais pas si on va chez un NPC ou un truc. Mais en fait, le truc, c'est que tout ce qu'on se ramasse va dans la poche directement. Donc, il faut transvaser les trucs... Mais non, pas utilisé. Putain, oh, il me fatigue. Transvaser. On peut pas. Ah si, qu'est-ce qu'on... Ah, il y a des trucs qu'on peut pas mettre dans le sac. Voilà, ça on peut mettre dans le sac. En fait, les consommables, on peut pas les mettre dans le sac, j'ai l'impression. D'accord. Os de prédateur. Voilà. Ok, c'est bon. On va y arriver. Bon, qu'est-ce que je fais ici, moi? Dégâts B. Viande séchée. Attendez, ça va pas être relou, ça, tiens. Ah, mais on a dit 2001 hein. Ah, il faut se mettre dans la peau du joueur de 2001 pour qui marcher 30 minutes d'un chocobo à un autre sur FF11 était normal. Lanterne ancienne. Ah. Oh putain, j'ai le talent. Alors comment on avait dit, ça s'allume, ça s'éteint. D'accord. Du coup, je vais pouvoir baser ma torche si j'ai mon truc. Prendre sac de couchage, 2 kilos, on est bien, tiens. Silex et fer, morceau de fer. Oh shit. Je suis pas sûr qu'il faut que je prenne tout là en fait. En fait, c'est chez moi là. J'ai une cuisine. Confiture de gabé. Prendre. C'est un plan ça. Cuisine séviché de cierzo. Prendre pain. On a le four. Ok, bon, ça doit être chez moi à mon avis. Parce que là, il y a trop de trucs. Hein. Réserve, machin. C'est quoi le plan là? C'est bon, je l'ai lu. Et du coup? Ah, voilà. Mais là, il n'y a pas de bouffe, en fait. Donc, il faut forcément que je poque la cuisine. Ah... C'est ça là qu'on a eu là. Truc arc-en-ciel. Et ça fait quoi ce... D'accord. Sel, algues. Sel, gabé, viande.
Et ça fait quoi toutes ces belles choses? Ration de voyage. Cette nourriture n'a pas de propriété matérielle, mais non plus de vente, elle peut être créée par fabrication de survie. Pain, pain, sel. Tartine de gabé, on a la confiture, on a pas le pain. D'accord. Alors attends. Comment on fait? Le four, d'accord, le four s'utilise pas. Donc en fait. Mais j'ai pas de feu là. Ah si, d'accord, on fait comme ça. J'avais pas ramassé de la viande. Salée, mais elle est déjà cuite normalement. J'ai rien à cuire en fait là. Non, je pense pas. Je pense que j'ai rien à cuire. Du coup, on fait quoi? On a pas. On a combien de pain là? On peut rien faire quoi. On peut pas, on a qu'un pain. Ah, on peut faire pain et confiture. Ah, on va faire ça. Ah, mais si on peut faire ça. Mais comment? Attends, mais comment on peut faire ça? Alors qu'on a qu'un pain. Ah non, on a deux pains, d'accord. Bon bref, d'accord, faut se fier à... Pain, pain, sel, ça doit être divers. Ah oui, de tout, ouais, ça me met en appétit. Hein. Attends, on baissera un peu le son du jeu, je pense. Parce que quand il y a les zics, ça y va, quoi. Bon, alors, on fait ça. Ration de voyage, allez hop. Ouais, soyons fous, soyons fous, soyons fous. Ok. Moi, je fais tout. Allez, on se casse. On peut pas monter? Est-ce que c'est le sac à dos qui gêne? Non, je pense qu'il y aurait une interaction quand même. Allez, on prend notre sac à dos, on va à la salle de sport. Comment on sort? Putain. Allez, mais attends, il n'y avait pas une... Ah non. Waouh! J'espère que vous avez l'argent. Le prix du sang est sacré! Vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité! Si je ne vois pas mon argent... Oh, cette voix. Vous regretterez votre présence. Malaise TV. Ouais, un peu de compassion. Sur ce navire, n'est-ce pas? Combien de vies votre famille doit-elle détruire avant qu'il en soit assez? Ça ne change pas le fait que je n'ai pas l'argent nécessaire pour vous payer. De toute façon, au premier bonjour, j'ai compris que le local... Oui. Oui, je pense pas qu'il y ait le budget. Saisirons votre maison. Ah bah non, laissez-moi ma maison, putain, j'ai plus que ça. Et un vieux short et une machette. Et un bandana en guise de casque. Il suffit! Il suffit maintenant! Les personnes sont mortes! Cessez immédiatement ce comportement honteux! Menacer quelqu'un ainsi alors que les morts sont encore fraîches est une insulte à leur mémoire! Quoi? Il suffit! Si vous voulez reprendre vos affaires après la période de deuil, vous en êtes libre. Oliel, raccompagnez-les, voulez-vous? Elle est gentille, elle. Rissa à Berdine. J'ai entendu, maire. Allez-vous-en. Ou je ferai en sorte que votre tour de garde soit doublé. Je suis navré que vous ayez dû vous réveiller ainsi. Je vous prie de les excuser. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille et sont à cran. J'arrive pas à croire qu'ils veulent me prendre mon foyer, ne puis-je rien y faire. Si, tu allais faire le larbin à travers le monde, quoi. J'en ferais plus si je le pouvais. Le mieux que je puisse faire est de déclarer une période de deuil
pour gagner un peu de temps. 5 jours pour faire la thune. Cela vous donnera quelques jours pour régler vos dettes, rassembler l'argent ou obtenir une faveur tribale, et ils ne pourront rien contre vous. Une fois que vous êtes capable de payer, venez me voir. Je vous prie de trouver un moyen. Une douzaine de personnes sont mortes lors de ce naufrage, laissant leurs proches en deuil. Leurs besoins sont plus importants que... Vous devez trouver un moyen de repayer la tribu. Je ne veux pas... Cela me paraît être la meilleure option. Malgré le danger, n'oubliez jamais, personne n'est orphelin à Cierzo. N'hésitez pas. Si vous pouvez rendre un grand service à un habitant de Cierzo, nous vous devrons une faveur tribale. Adressez-vous à Burak, le gardien du portail, lorsque vous désirez quitter. N'oubliez pas, vous ne disposez que de quelques jours. Que vos ancêtres vous protègent. Merci bien, Manon. Voilà. Toi, déjà, je veux ton épée. Tout de suite. À poil. Je suis contente que vous ayez survécu au naufrage. Tiens, toi, parle de l'épée. Comme cadeau de départ. Mais avec le naufrage, il vaut mieux que je reste un peu. Adieu, camarade. Merde. Merci pour ton aide précieuse. Bon, faut qu'on fasse de la thune. Ok. Il est où le NPC pour choper des prophéties et des silver coins? Puis-je vous venir en aide? Non, par contre, pas trop de blabla. Hein. Qu'importe dans cette ville, pas mal de la région environnante, c'est bon, merci. Ou puis-je trouver les marchands et les formateurs? Non, c'est bon, je vais me débrouiller. Au revoir. Attention. Donc là où c'est le maire, sans doute. On n'a pas de map, vous faites, là? Est-ce qu'on a une mapouille? Clavardage. Nani? Non, on n'a pas de map, ou peut-être qu'ils nous enfileront le NPC à la porte, là, peut-être. Voilà, maintenant, connaîtrais-tu une bonne auberge où je puisse vous voir des troubadours mélangeant retourner de vérité, ou voir une bonne échoppe? Clavardage, c'est chat pour les Québécois. Ah ouais? Ah! Bah voilà, au moins, tu vois, même si peut-être que dans une demeure, le jeu sera peut-être dans la corbeille du PC, au moins, on aura pris un truc. Et ça... Vive le jeu vidéo, le jeu vidéal, même quand il est quel qu'il soit. Bon, et le chat Twitch aussi, certes. Bonjour, je voudrais faire de l'argent. Salutations, Amba. Non, rien. Voilà, échappe. Non, mais je veux juste aller dans la pampa, moi. Je suis obligé de parler à des gens. Puis-je vous venir en aide? Oh putain, l'agression de l'interface, mon gars. Oh, wow. Oh, j'ai tellement mal à ma France. enfin, à mon Québec, du coup. Ça coûte super cher. Une pièce d'argent le pain. Mais attends, mais j'ai combien? J'ai genre 30, non? Ah oui, non, j'ai laissé l'argent chez moi. Ouais, mais j'avais genre 30. Et les plans. Il y a les plans de queue de cuisine et de machin, et au milieu, pouf, lingot d'or. Ok. Est-ce que tu t'achèterais pas mes... ça, là? YOLO. Non, tu savais pas non plus.
Non, je vais pas quitter, je veux confirmer la vente. C'est possible? Ah. Oh, wow, saut 2001, mon gars. Ouh, 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 ouh. Hey, Manon! C'est le frère d'Izan. Oui, une horreur, ce naufrage. Ce genre d'accident arrive. Sans arrêt. J'ai pas le temps pour parler, j'ai 5 jours pour faire de la thune. Si mon frère avait un plus petit bateau... Je ne pense pas qu'il veuille de moi. J'ai pas le temps pour ces conneries, il faut que je fasse de la thune. Oh, c'est la pire journée que j'ai vécue depuis longtemps. Je peux ninja, ça? Ah oui, y'a pas de saut. Ah ouais, y'a pas de saut. Oh, y'a pas de saut. Ah putain, bon, ok, d'accord, bon bah c'est moins bien que Sekiro. Je peux ninja ça ou ça vire au drame type Skyrim alors qu'on est, on est pas censé le savoir. On peut ninja. Il y a trop de gens, j'ai pas envie de parler à tous ces gens-là. Au secours. Ce serait Cyberpunk, je dis pas, mais là... Non, non, ah, oh. Plus local, plus localisé. Machette, non, j'en ai déjà une. Non, mais où est la porte? Attends, je vais aller voir ce que c'est, ça. C'est stylé, ça, c'est des jardins... Si tu leur parles pas, tu passeras à côté de la qualité des dialogues. Ah merde. C'est terrible. Putain. J'ai mangé un chat à midi. Il veut pas sortir. On voit rien là. Je vais allumer ma... Non. Je peux l'allumer à l'infini ma truc. Oh putain. Rip Katoon. Non, j'ai pas mangé Katoon. Désolé, mais putain. Ça doit être là. Burak. Attendez. Où pensez-vous aller? Pas si vite. Il vous faut vous équiper d'une arme, une gourde et un sac à dos avant de pouvoir faire face au monde extérieur. Oui. Vous allez droit dans la tombe si je... Si vous avez du mal à vous trouver une arme, fabriquez-vous un bâton. J'en ai un de sac à dos. Je suis sûr que vous trouverez une... Par contre, une gourde. À proximité du purificateur. Ah, c'est un purificateur d'eau, le truc, là. Donc il devait y avoir une gourde qui traînait là-haut. Ah putain, d'accord, moi je croyais que c'était le point pour boire. Là. J'étais juste à côté en fait tout à l'heure. Récolte aux fraîches. Ok. Bon.
Oh, ça a l'air d'être casse-couille, la gestion de la température. J'espère que c'est pas trop relou. Mes sacs à dos, j'en ai un normalement. Ah mais là j'ai plus ma torche. The fuck is this? Je crois qu'elle devait s'allumer si elle est en bas du... elle est dans le sac à dos. Attendez. Où pense pas si vite. Vous allez droit dans la tombe. Si vous avez du... Je suis sûr que vous trouvez une gourde à proximité du purificateur d'eau sur la plage. Mais Émile... Émile, je vais te renvoyer en 2001, avec un petit coup de bâton dans le fion. Hey, à bambou, qu'est-ce que tu fais là, gros chat? Tu cherches Katoun? Ah ouais. Il est où mon bâton, là? Ouais. Bon, j'ai un bâton, j'ai une gourde. Tu le vois, mon gros bâton, là? Il vous faut quelque chose? Ah là, il me rebute pas, là. Prêtez attention à votre corps. Oui, d'accord. Au revoir. Je peux partir? Il vous faut quelque chose? J'attends le retour de l'équipe de reconnaissance. Mes guerriers et moi-même sommes la seule défense dont dispose Sirso. Je veux sortir! Il vous faut quelque chose? Je sors. Vous avez au moins l'essentiel. Je vais vous enseigner une compétence. Pour une arme différente? Le bâton, ça a l'air d'être bien de la merde. Il faudrait peut-être que j'ai un... Ouais, mais bon, attendons. Bah, vas-y. Et voilà. Frappe lunaire. Apprendre à maîtriser. Bon, je pense que je peux vous laisser sortir en toute confiance. Au revoir. Utilisez la porte pour sortir. Au revoir, comme dirait Giscard. Entrez dans Cherzoniz. Ah, je sors avec ma bite et mon couteau, là. Oh, putain. Ok, on a un problème. On a un problème. Alors déjà, la compétence, là, c'est quoi, là? Elle est où, là? Comment je la bind? Oh putain, c'est tellement goldé. Là. D'accord. Alors, lancer de lanterne, on va éviter. Un objet. Torche. Pensant. Non, mais non, mais non, mais non. Ça, on peut le lire. Ah, la gourde. On peut prendre... ouais, on peut basculer entre ça et le bâton, alors. Je sais pas. Je suppute. Comme ça. Et... Ça peut se dégager, non? Tac. Tac. On apprend la recette. Hop, et hop, et hop. J'aurais peut-être pu crafter ça aussi. Hein. Il y a un bouclier là. Il faut des tissus. Alors, donc si on veut sortir la torche. Clac. Oh putain, je suis un génie. J'ai pas de map, j'ai rien. M. Oh putain, il y a une map. On est où?
Alors, où c'est qu'on est? That's a good fucking question. C'est moi, ça? Je vais me promener dans la pampa. Par contre, on peut pas, on pourrait pas faire jour. Non, parce que... Mais si c'est Nat, on mange et je suis au clavier. Ça marche, mais bon up. Non mais là, de nuit, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Mais tu vois vraiment rien. Faut que je dorme. Puis il est quelle heure en plus? Putain, il est 23h55, j'aurais mieux fait de dormir avant de partir. C'est quoi ça? Non mais je te veux pas du mal. Ah, c'est pas un jeu vegan? Ah putain, c'est scandaleux. Non mais là, je vais tomber... Oh. C'est des pièges. C'est cool parce que le côté balade machin marche plutôt bien quoi. Mais alors sur le reste... Chaud mon cochon. Hein. Chaud mon cochon, chaud mon cochon. Les combats sont mauvais, les... Tout ce qui est interface sont lourdes. C'est chaud. Non mais là je vais tomber nez à nez avec un vieil ours qui va me défoncer. Je vois pas à 5 mètres. C'est quoi ça? Tribu de bandits. Je suis un peu tout nu. Oh la lune c'est ça, c'est joli. On dirait qu'il y a des plumes qui l'entourent. Non mais là de nuit c'est chiant, c'est vraiment chiant, on voit rien en fait, faut dormir. Mais je peux pas dormir où je veux quand je veux là. Je vais me paumer, elle est où la ville? Oh putain. Mais j'ai pas avancé sur la map, mais je suis où? C'était pas moi ça alors. Au revoir! Oh. My god. My god. Attendez. Oups, ah, il aime pas le 2 secondes. Non, parce que là faut quand même rendre hommage au jeu.